Les gars, c'est quand que ça finit les examens? C'est quand que ça finit les examens? Je viens de calculer que j'ai vu un truc tout à l'heure encore passer. Tous les jours, j'ai les gens qui me disent « Désolé, je viens pas trop en ce moment, mais c'est les examens, nanana. » Ça dure combien de temps les examens? Rendez-moi mes viewers, l'État, il cherche à me couler à tout prix, là. Contrôle fiscal, on me prend mes thunes, on me prend mes viewers, je fais quoi après? J'ai plus rien, j'ai plus personne. J'ai plus rien, c'est fini. C'est fini. Je suis finito à cause de l'État, là. Libérez tous mes copains. Non, c'est trop, fin juin. Ok. Perso fini depuis le 5 juin. La belle vie. Ok, courage, chat, courage. Courage. Quand même, priorité, faut être sérieux. Priorité aux études. Tellement pas des partiels. Les gars, vous n'avez même pas idée à quel point je suis heureux de plus avoir toutes ces merdes, là. C'était tellement anxiogène. Genre, vraiment, le truc trop bien des études, c'est les potes, la vie sociale et tout, qui est incroyable. Les examens et tout, c'est dur de fou, hein. C'est dur de fou, moi, ça me manque vraiment, vraiment pas. J'ai failli cliquer sur nouvelle partie, je sais pas ce que ça aurait fait, mais je pense que ça aurait pu être la calamité, les amis. La calamité. C'est une angoisse, tu peux le dire. Bah ouais, moi c'était pas l'angoisse, en fait, parce que j'y allais en mode, j'ai rien à perdre. Tu vois ce que je veux dire? J'y allais en mode, au fait, j'ai réfléchi, venez, on retape ça. On retape ça, et à chaque fois, j'achète une nouvelle maison, je la retape, je la revends, j'achète une autre, etc., etc. Comme ça, on fait une par une, tranquille, en discutant. Là, je vais essayer de faire que des trucs bien, c'est bon. J'ai fait de la merde, on a bien rigolé et tout. Là, je vais essayer de faire du sérieux, là. Je vais essayer de faire du sérieux, chat. Oui, yes, ok. Ouais, et je vous disais, moi, à la limite, les examens, je me rappelle, je stressais un petit peu et tout. Tu sais, je vous avais dit déjà, moi, j'étais... Vraiment, l'école, j'étais pas taillé pour, tu vois, ça m'intéressait pas, ça me cassait les couilles. C'était pas fait pour moi, je prenais pas de plaisir et tout. Et je vous avais dit, quand j'avais passé mon bac, quand j'ai pas eu mon bac, j'ai eu les résultats, je l'ai pas eu. J'étais au rattrapage. J'ai appelé ma grand-mère pour dire que j'étais au rattrapage. Elle m'a dit, je vais mourir avec un petit-fils qui a pas le bac. Genre, ça m'avait bien motivé, j'étais yimbe. Et c'était une expérience traumatisante. Mais j'étais un peu en mode, vas-y, je vais à l'examen, je sais que je vais pas l'avoir, je m'en foutais, tu sais. J'étais pas dans la team de ceux qui étaient entre deux, qui avaient un espoir ou quoi. Oh non, je vous jure, les gars. J'ai appelé ma grand-mère en pleurs. J'étais en mode, je vais me foutre en l'air, j'ai pas eu mon bac, il faut que je me tape les rattrapages. Mes parents, ils vont me tuer et tout. J'étais en mode pas bien. Et ma grand-mère était en mode, putain, il a pas son bac, t'es une merde et tout. C'était vraiment ça, les gars. C'était vraiment ça, je vais crever, t'auras pas le bac et tout. Tu sais, elle était même pas en mode à m'engueuler, tu vois. Elle était vraiment en mode... Oh. Bah c'est quoi ça? Elle était vraiment en mode premier degré, tu vois. Genre c'était pas pour m'engueuler ou quoi, elle était vraiment en mode bah en fait c'est mort. En fait, c'est mort, mon petit-fils, c'est une merde et tout. Je vais crever avec quelqu'un qui a pas de bac dans ma famille. Voilà, elle était vraiment juste désolée, tu vois. Mais mec, c'est quoi ce truc? Merci Gold Roger, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Merci à ceux qui soutiennent, chat. Hein. Je le dis et le répète, mais vous êtes des bons, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Petite cuisine extérieure sur la plaque de béton. Je pense que je vais faire un petit coin barbecue là. Cruella a perdu son t-shirt, c'est vrai que ça ressemble un peu. Tu penses de quoi sur The Carry? Oh putain, alors toi tu dois être de sa commu, je pense. Toi tu dois être de sa commu, vu comment t'as écrit le merdier. Je pense quoi de The Carry? Ben quoi penser de quelqu'un qui a plus de 30 ans et qui s'affiche en détente avec une meuf de 16 ans et qui garde 4000 viewers moyens? Voilà, je te pose la question. Sache que tu pourras jamais y répondre parce que tu dois avoir 12 ans. Donc dans ta tête c'est pas grave, 16 ans c'est vieux, donc tu te dis que c'est ok. Et en fait, quand t'auras 30 ans, tu te rendras compte à quel point t'as donné de la force à quelqu'un qui est une merde. Et puis on en reparlera, mais pour le moment, t'es pas apte à avoir cette discussion, malheureusement. Donc voilà ce que je pense de The Kairi, plus ou moins, et de tous les gens dans ce style-là. Malheureusement, quoi. Malheureusement, j'ai envie de te dire. Hop. Ça, c'est un gars bien, ça. Bah, c'est juste logique en fait. En fait, le truc qui est terrible, c'est que ces mecs-là, mettons-les tous dans le même panier, ils continuent à avoir du soutien de gens qui en fait se rendent pas compte de la gravité du truc parce que eux-mêmes sont des gosses. Et eux-mêmes se sentent grands, tu vois. Ou eux-mêmes se sentent adultes. Et du coup, ils se disent
Ouais, bah attends, si elle avait 16 ans, elle sait ce qu'elle fait quand même. Hein. Moi, j'ai 16 ans, je me sens grand, tu vois. Donc, si à 16 ans, ils étaient d'accord, bah c'est que c'est ok, tu vois. Genre, je pense vraiment que c'est. Ils sont défendus par des gens qui pensent comme ça, en fait. Je pense vraiment. Je pense vraiment que c'est pour ça que ces gens-là ont toujours une commu, sont toujours défendus, etc. Mais bref, le débat est éternel. Et en fait, le truc, c'est que le débat a pas lieu d'être parce que il y a pas d'adultes qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit là, tu vois. C'est forcément les gosses. Donc inutile de débattre là-dessus. Mais voilà, t'as eu mon petit avis en tout cas. T'as eu mon petit avis. Puis ça s'applique à The Carrier, mais à n'importe qui d'autre, tu vois. Je mets dans le même lot les gens qui profitent de leur notoriété pour baiser des meufs. Enfin, tu vois, il y a plein. C'est un gros package en fait d'enfoirés internet. Et je mets tout le monde dans le même panier, moi. Voilà, ne donnons pas d'importance aux grosses merdes, mais normalement, on n'en donne déjà pas. Les seuls qui le font, c'est parce qu'ils se rendent pas compte de la gravité du truc, quoi, en fait. Parce qu'eux-mêmes sont enfants. C'est tout, d'après moi, c'est tout. Faut faire tout l'autre côté. Les gars, il n'y a pas un moyen d'améliorer... comment ça s'appelle? Attends, toi, tu vas venir te mettre là-bas. Non, attends. Suis-moi. Tiens, viens. Tu vas venir t'asseoir là et tu bougeras plus jamais de ta vie. Là, viens. Oh, putain. Comment on le porte déjà? Prendre. On peut le mettre sur les rails? Pas dans le but de l'écraser ou quoi, mais juste dans le but d'être tranquille. Oh, je pense que oui. Y a pas de place pour le mettre ici. Merde. Je sais pas où le mettre. Ok, je vais faire ça et pas bouger. Hop, pas bouger. Et... Ah, il est bugué. Ok, c'est bon. Fermé et nickel. Parle bien au titou. C'est bon, je l'ai laissé. J'en fais rien. Je l'embête pas, je l'écrase pas. Juste, je m'en débarrasse, c'est tout. C'est tout. Rien de grave. Je crois que j'ai fini. Ah non, il y a encore des petits endroits où j'ai laissé du gazon en fait. Ok, là c'est bon. On va paysager le jardin, hein. Ça a trop d'importance niveau thune en fait. En vrai, ça a vraiment trop d'importance. Ok, je crois que je suis à peu près bien. Là, il reste un poil. Là, pareil. Ok, là j'en vois, je veux un truc laser, un truc millimétré. On fait l'intérieur en premier ou jardin en premier? J'avoue, j'ai même pas demandé. T'es millionnaire, vas-y, dans une tondeuse, mais je demande que ça, moi, une tondeuse plus large. Lana, écris correctement, t'as pas besoin d'écrire en majuscule pour qu'on te réponde. Intérieur, moi j'aurais fait intérieur et on finit en beauté. Honnêtement, j'aurais fait ça, chat. Le truc, c'est que c'est un bien... qui a coûté 40 000 balles, donc en vrai de vrai, je pense qu'il n'y a pas grande thune à se faire. Donc je suis pas sûr que ce soit très bien stratégiquement parlant d'investir 12 heures sur le taf là. J'en sais rien de quand Actuan lance son live, les gars, mais honnêtement, je m'en fous un peu, tu vois. Je dis pas ça contre Actuan, mais je dis ça plus dans le sens si vous voulez regarder d'autres streamers, bah, allez regarder les autres streamers, mais. Ça sert à rien de venir en parler dans le chat des gens, ça changera pas grand chose. C'est pas nouveau que Thomas est tout en retard. Y a pas de nouveauté, quoi. Je sais pas ce qui te choque. Mais tu te doutes qu'il y a plus plaisant quand même qu'avoir quelqu'un qui vient dans ton chat pour te dire oh, trop hâte que quelqu'un d'autre fasse un live. Genre y a des trucs qui font plus plaisir que ça, tu vois, globalement. Et ça devrait vous sembler logique, je pense. Tu veux pas laisser de l'herbe un peu pour laisser les bestioles vivre? Non. Là, y a pas d'histoire de bestioles, là. Mon seul objectif, c'est de ramasser le plus de thunes possible et d'être multimillionnaire. C'est rien que ça. Mais putain, c'est tellement long. Là, c'est incroyablement long, genre. Go lance-flamme. Tu crois que ça va plus vite?
Attends, mon lance-lame, il y en a encore un peu du jus dedans, normalement. Oh, sa mère la pute. Oh non, c'est pas la même hauteur que le reste. Alors, c'est bien, mais ça va me coûter très cher et c'est pas la même hauteur que le reste. On mettra des arbres là où il n'y a rien. Bon ben là, au moins, celui qui me parlait tout à l'heure de laisser vivre les bestioles, il a eu sa réponse. Il a eu sa réponse. C'est pas dans les projets immédiats, en gros. Putain, ça a tout niqué. Bon, l'idée était cool. L'idée était cool. Putain, comment on va faire? Le jeu, il considère même plus que c'est de l'herbe là. Carrément. Oh non. Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être. C'est peut-être pas grave. On va laisser comme ça et on verra, chat. Ok, déjà, je nettoie le caca. On peut pas faire autrement, genre... Ah bah non. Cruella, Cruella... Ah mais putain, on est vraiment chez Cruella, en fait. Enfin, il y a marqué Cruella, mais on est chez Cruella. C'est comme Cruella, mais... Attends, mais merde, je peux rien faire, en fait. Et ça, on peut le peindre. Je crois que c'est pas peignable, les gars, comme surface. Mais attends, mais en fait, c'est vraiment... Genre, dedans, il y a pas de... C'est pas une maison, les mecs, là. Attendez. Attendez, on a un problème. Je pensais qu'on allait pouvoir en faire une maison. Mais c'est vraiment un train. Mais je vais me faire 0€ là. Bah oui. Bah je pensais que c'était un train mais que t'équipais en mode maison. Non, je pense qu'on va pouvoir vider. Putain, ça va être tellement long. Ok. Ah, au fait, j'ai reçu, vous savez, je vous ai dit, j'ai commandé un thé matcha sur un site bling bling et un thé matcha sur un site normal. Et genre en mode, j'avais un thé matcha à 9€ et les autres que j'ai commandé, c'était genre à 30€ ou un truc comme ça. Genre la différence de prix, elle était colossale. Vraiment colossale. Et du coup, j'ai commencé par goûter celui à 9 balles. Il y a aucun monde où celui à 30 balles est rentable. Hein. Aucun monde, genre, ça a le goût exact du thé matcha que je buvais au Japon. C'est exactement pareil. Donc je pense que je me suis fait douiller le site qu'on m'a recommandé là à Nati. Je pense que c'est de l'arnaque. Genre vraiment je pense que c'est du vol. Je vois pas comment ça peut être justifié que ça soit 10 fois plus cher pour un produit exactement pareil, bio, etc. Tu peux renvoyer. Je vais pas renvoyer, je vais tester tout ça. Et puis de toute façon j'ai pris une sélection avec des trucs un peu originaux aussi. Je vais goûter des trucs, tu vois, genre tant pis. Et puis ça reste une petite boutique, le concept il est sympa. C'est pas grave, tu vois, si une fois dans ta vie tu payes un truc un peu trop cher par rapport à ce que c'est, bon bah ça arrive. Je vais pas renvoyer. Mais juste, je vous avais dit, je vous tiendrai au courant et tout de celui que j'ai commandé par rapport à l'autre. Vraiment, je vois aucun monde dans lequel c'est rentable de mettre 6 fois plus cher pour ça. Genre je vois pas comment ça peut être meilleur. Je verrai. Hein. Je vous tiendrai au jus, je vous ferai l'update. Mais en tout cas, je commence vraiment à apprécier ça, j'en bois plein. Je bois genre deux thés japonais par jour, en plus de mon café du matin. Et je kiffe trop. Mon petit thé vert, machin, genre ça... Je me sens bien après. Ok. Le problème, c'est qu'on est en train de laver, mais ça a toujours l'air dégueulasse, là. Enfin, genre... L'incamour. Ça a toujours l'air immonde, on est d'accord, là. Merci, Ulurle. Merci beaucoup pour ça, c'est gentil. Thé vert antioxydant, c'est pas mal. Ouais, il paraît que c'est très bon pour la santé. Pour le moment, je sens pas genre de différence avec avec avant, tu vois. Laisse des tags, certains sont jolis. Je pense que le jeu est pas du même avis. Mais tu vois, là, c'est sale, là. Genre, je peux pas nettoyer cette merde. Ça peut repousser ou pas? On saura jamais. Et donc là... Donc là, en fait, c'est vraiment... Mais mec... Ah non, ok, je peux faire une maison, en fait. Ok, c'est bon, ça va. Ok, je vais faire une maison.
y a un tableau de Cruella. On garde? Je pense que oui. En mode souvenir. Oui, mais il se passe quoi? Il y a les 100 dalmatiens, les gars. Il y a les 100 dalmatiens, what the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Oh, le bordel, ça va, calme, calme. Attends, c'est comme ça tout le long, là? Stop, stop, vous passez pas, je les vends. Ok, je peux pas les vendre. Maintenez pour tuyau d'arrosage. Y'a un truc dégueulasse, j'ai pas vu. De fait, c'est quoi ce truc? C'est les 100 dalmatiens, ils sont là. Hein. Mec, en fait, c'est même pas sale, genre. C'est juste moche. Oh! Oh, j'ai un nouveau chien! Bah... Il est trop beau! Je le prends! Oh, il sort d'où? Maintenant, j'ai un petit chien, genre. Ok, pas bouger, c'est bien. Oh, il est tout mignon, lui, comparé à l'autre. Ok, j'abandonne mon ancien chien. Ah, mais merde, j'ai vendu le truc. Bon, c'est pas grave. Je me demande, non, ça va, je rigole, je l'abandonne pas. Je l'abandonne pas, je le garde. Ok, j'ai le sentiment qu'on peut pas repeindre et tout l'intérieur. Genre, je sais pas. Il a pissé? Pourquoi il y a de la pisse là? C'est jaune. Ça se trouve, je peux le vendre. Ah non. Va chercher. Attends, je sais. Prends, je vais le mettre avec mon autre chien. Viens. Oh, il est trop mignon, lui. Mais est-ce que maintenant c'est mon chien? Je sais pas si c'est mon chien ou pas, lui, maintenant. Pas bouger, allez. Audi, chiot dalmatien. Les chiens sont adaptés à la vie en famille en raison de leur nature. Jouez aussi, vous êtes une personne active. La recherche d'un chien tacheté qui adore les activités physiques, ne cherchez plus. Chapeau. Oh, il est trop mignon, mon petit bébé. Non, vas-y, pas de chapeau. Nature, peinture. Emmené en mission. Ok, lui, il sera toujours en mission avec moi. Voilà, il sera toujours en mission, celui-là. Et là, maintenant, on va voir si on peut... si on peut repeindre. J'ai vraiment des doutes, chat. Oui, je garde les deux. Je garderai les deux, chat. C'est pas du favoritisme. Les gars, j'ai la chanson de Syl dans ma tête, elle veut plus partir. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Je vais faire une ambiance prune. Juste pour voir si on peut peindre. Je crois qu'on peut pas. Je vais éternuer. Ok, on peut peindre. Bah du coup, j'aurais pas dû faire prune. Vas-y, tant pis, je fais un intérieur original. Ça sera prune. Genre, original ne veut pas dire moche, hein, chat. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit ou quoi. Je vais pas faire un truc moche. Je vais juste faire un truc original. Oh non, ta gueule, on peut pas peindre les bords. Mais non. Ok, je peindrai une autre couleur. On peut pas peindre les bords? Ah, ok, on peut. Ok, je vais faire en blanc. Quelle couleur je peux faire en fait? Ça se trouve on peut faire un truc un peu plus... qui change un petit peu, non? Flashback du yacht. Non. Les gars, si c'est fait correctement, ça peut être stylé si je fais des meubles avec des touches de couleur, un truc un peu genre original. Orange. Non. Je veux un truc joli, chat. Je pense que ça va être bien.
Ça assombrit là. Ouais, non, mais c'est normal, mais ça peut être juste le style, tu vois. Ta voix m'insupporte, mais je t'aime bien, Linka. Mais du coup, je dois te remercier ou te dire d'aller te faire foutre, fils de pute? Je dois dire quoi? Je dois dire quoi? Bah, merci, fils de pute, voilà. Je fais un entre-deux. Je dois répondre. Tu réponds quoi à ça? Je t'aime bien, mais t'es un peu une merde, hein. Tu veux dire quoi? Je réponds quoi à ça? Qu'est-ce que je peux dire? Je suis foutu. Je peux rien dire. Ok, nice. Ok et ok. Pas mal, les deux murs en face. Ah non mais putain, j'ai tous les trucs en haut que j'ai pas fait en fait. Je pense que je vais faire un plafond. Soit je fais un mood sombre, genre plafond noir et sol foncé et une ambiance un peu comment? Boîte de nuit. Soit je fais sol blanc et plafond sol marbre et plafond clair et je fais une ambiance mi-clair mi-truc. Ouais, noir ça va faire too much, je pense. Je pense noir ça va faire tout. Attendez, je vais réfléchir. Je pense que je vais faire blanc et sol marbre. Ça, c'est une bonne idée, je pense. Blanc. Peut-être médium, du coup. Je pense que je vais faire ça. Après, avec les lumières et tout ça, ça va être stylé. Hop, on enchaîne. Peut-être que moyen, ça sera pas assez. C'est possible en vrai. Ok. Ok, ça va très vite. Je sais pas, ça utilise pas beaucoup de peinture. Je sais pas pourquoi. Après, on avait notre truc niveau max là. Hein. Ambiance club échangiste et tout, j'aime bien. En vrai, de vrai, chacun fait ce qu'il veut dans mon truc. Hein. Moi, je juge pas. On n'est pas dans le jugement ici. Je vais faire comme ça toute la longueur, tranquille. Et je vois bien des lustres avec des plumes un peu. Mets un ananas, ok, je mettrai un ananas en déco, les gars. Si on trouve un ananas, je le mets. Ah, j'ai oublié un truc de peinture, je viens de voir. Pas de panique chat. Ok. Ça peut être pas mal, j'ai l'impression que j'ai trouvé un glitch. Tu sais, genre là, j'ai pas utilisé toute la peinture violette. J'ai l'impression que je peux faire remplir de violet, cliquer sur le blanc, et que du coup, ça me recharge full blanc. Oui. Oh mais mec, attendez. Mais au lieu de vendre mes pots de peinture à chaque fois, je devrais faire ça. Hop, il est gorgé, je le mets en blanc. Mais c'est broken. Nouvelle strat OP de fou là. Ok, attendez. Là je fais l'inverse, je sais pas, j'ai envie de tenter un truc. Putain, on avait assez pour tout faire. Et là je recharge en ça, je prends du blanc. Et hop, j'ai glitch. Non, c'est trop bien. Ma nouvelle stratégie est effroyable. Non mais là les gens de House Flipper ils vont faire fight avec ma nouvelle technique hein. J'ai tué le jeu. Voilà, là c'est ambiance inversée, je sais pas pourquoi. Ah merde, j'ai rechargé full blanc, putain la boulette. Ok. Ok. Là, y'a rien à peindre sur les côtés, non? Ok, j'aime bien mon truc. Attends, est-ce que je peux casser? Oh! Ah, mais putain, je peux recompartimenter tout? Ah, bah les gars, je casse en fait. Je vais devoir refaire des trucs là. J'ai peint pour rien, my bad. Et oui, je suis obligé de refaire. Je vais faire des pièces, un truc en enfilade, quoi. J'ai pas le choix.
Je vais faire un couloir, je pense, tout le côté gauche, avec des portes dans la longueur et un accès à des petites pièces. Comme ça, ça fait un grand truc. Ou alors, je fais un truc en mode loft, avec juste une chambre. De toute façon, en vrai, c'est trop grand pour faire 18 chambres et tout, là. Vive l'enfilade. Bah, comment ça, mon ref? Merde, attends, je fais comment, là, du coup? On fait un loft, peut-être, non? Genre en mode, là-bas, je fais une chambre. Attends, je réfléchis, chat. Genre, une bête de grande pièce, ça sera mieux que faire un truc à la... Un truc où il y a 30 personnes qui peuvent vivre dedans. Ok, je dégage tout, je dégage tout. Ma décision est prise. Là, mon marteau, il est censé être surpuissant. Genre, normalement, tout se casse la gueule en deux coups. Ok, je crois que ça, on est bon. Du coup, je vais devoir repeindre un peu les trucs. Mais je pense que je vais faire une entrée avec porte-manteau. J'aurais dû laisser ça, putain. J'aurais dû laisser ça, en fait. Ou alors, je crée une entrée... je crée un bureau. Je vais faire un bureau. Entrée slash bureau. Je pense que c'est bien. Je me mets au milieu, donc, ici. Ok. Je fais ça. Là, je crée une porte. Je vais mettre une porte de train pour garder un peu l'ambiance du truc, tu sais. Là, tu fais un loft là-dedans, tu mets une porte de train, en vrai, je pense. Je me rends juste pas compte de quelle place ça fait. Je pense que c'est la bonne place. Genre, ça doit faire 4, à peu près. Ça me paraît bien. Oh là, j'ai failli lire son pseudo. Golbandev. Non, Gopalbandev en fait. Gopalbandev, c'est moi qui ai lu de travers. J'ai cru que c'était The N-World Gaming 78. Et j'ai cru que ça s'appelait comme ça exprès pour qu'on dise son pseudo et qu'on se fasse ban. C'est pas de ma faute. C'est pas grave, le ban n'est pas. C'est my bad. Porte intérieure. Et là, il me faut... Oh, ah merde, c'est pas une porte... C'est pas des portes d'intérieur, les portes de train? Mais il me semblait que c'était des portes de trucs, là. Relolo. Attends, c'est dans quoi, déjà? Installation. Installé, non, c'est pas ça. C'est dans quoi les portes, chat? Ah, mais là, c'était là. Porte, ok, il faut te chercher un truc de train. Mais mec, les gars, je vous jure, il y avait des portes de train avant. Quelles étaient là en fait? Ok, my bad. C'est my bad, chat. Oh, c'est joli, rouge et écarlate comme ça. Noir et écarlate, c'est joli. Blanc et violet comme les murs. Ah, bah oui. Bah oui, mon ref. Bah. Pourquoi? Je peux pas mettre. Pourquoi je peux pas mettre, les gars? Comment ils ont fait les autres trucs, là? Les gars, pourquoi je peux pas les mettre? Un jour, vous comprendrez mon art, chat. Un jour, vous comprendrez mon art. Là, pour le moment, personne ne le comprend. C'est pas grave. Oh là là, mais oui, mais c'est bien sûr en fait. C'est bien sûr. Là, je suis sur de l'ultra moderne, les gars.
Je suis sur d'ultra moderne. Waouh. La claque. Là, la claque que je me prends, c'est quelque chose. Ok. Get sale bestio. Non, 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 non. Là, il y a un style. Là, il y a un je ne sais quoi. Il y a un je ne sais quoi, chat. Ok, faudrait que je refasse tout le plafond. Je vais devoir racheter de la peinture. Hein. C'est sûr et certain. Désolé, mais c'est pas très beau. Qu'est-ce que je te dis, ça va être comme d'hab en fait. Je vais là, tout le monde critique, je vais faire le truc et après tout le monde va dire ah ben en fait c'est pas mal. Bon ben voilà, c'est la routine pour moi. C'est la routine. J'ai l'habitude d'avoir des détracteurs. J'ai l'habitude. C'est mon quotidien ça. Mais c'est pas grave. Juste oubliez pas d'où vous venez quand vous serez en train de me dire que j'ai pondu une masterclass. Moi je trouve ça très beau, merci. Ça c'est le chat que j'aime. Ça c'est le chat que j'aime, ça. Ok. On pousse le truc. On pousse le truc. Oh non. Oh non. Voilà, nouveau look pour une nouvelle vie. Ma maison, elle est en mode nouveau look pour une nouvelle vie. Bon, de l'extérieur... Oh putain. De l'extérieur... Attends, on est d'accord, ça, je peux pas le peindre. Aïe, 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 aïe. Ok, on regarde pas dehors. On regardera jamais dehors, ok? On n'a plus jamais interdit. Personne peut regarder dehors, c'est devenu interdit par la loi du jeu. Ok. Oh, c'est tellement moche. Mais il y a un style. Il y a un style. Avec la déco et tout, ça va être une dinguerie. Je l'espère. Je suis plus si sûr qu'avant. Je suis plus si sûr qu'avant, voilà, je le dis. Je pensais faire un truc atypique, original. Je sais pas, moi je pense que dans Des envies prennent vie du côté de chez vous, là, vous voyez l'émission de Leroy Merlin. Je pense que c'est possible qu'il y ait des millionnaires qui soient fait un délire comme ça un jour. Donc en fait, on a récupéré un vieux wagon de la SNCF, c'est tout en récup en fait, et on a décidé de partir sur une trame blanc et violet. C'est vrai, vous voyez pas, vous la voyez cette émission ou pas? Ou c'est que dans ma tête là? Moi, pour moi, ça existe ça, ce que je viens de dire. On est parti sur un truc très feng shui, très sur les blancs et les teintes blancs et violettes. Parce que lors d'un voyage au Kenya, on a adoré ces couleurs beaucoup utilisées. C'est une trame qui nous parle beaucoup. Ça, c'est un peu le genre du truc. Non, vraiment, les gars, c'est un peu le genre. C'est un peu le genre. Oui, je vois. Ok, merci, merci. Ça me rassure. Sol, marbre blanc. Là, on est sur du riche. Je veux du big marbre. Marbre neige. Fais voir un peu comment ça rend. Ouais, ok. Délire de multimillionnaire, là. Vraiment. Vraiment. Je pense que c'est comme ça chez Squeezie, là. C'est trop beau, les gars. Je suis en train de faire le wagon de Squeezie. Ok. Attendez les meubles, vous allez prendre une claque. Je vous le dis. Même moi, je suis pas sûr du truc, là. Je suis pas sûr, les gars, mais on est trop avancé pour reculer. On verra. C'est quoi, de toute façon? C'est pas compliqué. C'est ce qui nous donnera le dernier avis, le seul qui compte, le client. Le client. On verra si le client, il me chie dessus ou s'il valide mes goûts. Pour moi, on fait moult thunes, là.
j'en ai fini avec le blanc, donc je vais recharger en coup de blanc et en coup de ça. Ah non, il y a les tours de porte à faire en blanc après, faut pas oublier surtout. Ok. Je recharge là-bas et je prends ça. Ok chat, easy. Hop, hop, hop. Ah oh, putain, c'est plus ma couleur. C'était ça en fait. Rien d'autre. Oui, oui c'était ça. Je remets là. Toujours pareil. Magnifique. Alors attendez. Bureau. Ok. Bureau slash entrée. T'es sûr que tu préfères pas le parquet? Oui, on fait un truc de riche. Bureau slash entrée. Salon. Salle à manger, cuisine. Et il nous faut une chambre. Je fais la chambre ici. Je pense chambre ici. Putain, la chambre, faut qu'elle fasse chambre slash salle de bain. Merde, il me refout de la peinture. Putain de merde. Un, deux, trois. Il faut péter celui-là aussi. J'espère que je me suis pas gouré. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. C'est bon, chat. J'ai cru que j'avais fait une boulette, mais on est bon. Ok, là, je fais une porte. Vous comprendrez après mon choix. Ok, vous comprendrez après mon choix. Commencez pas à mettre des points d'interrogation, des trucs et tout. Vous comprendrez mon choix après. D'accord? Non, commencez pas, commencez pas. Je vais choquer tout le monde par mon intelligence en fait. Ok? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Si je vous choque tous, tout le monde doit subprime, tout le monde doit mettre son subprime maintenant, c'est bon? Parce que là, tout le monde met des points d'interrogation. Moi aussi, je peux monter sur mes grands chevaux. C'est, tout le monde se subprime si j'ai une bonne idée. Ok? Les gars, stop. Là, c'est mon salon, salle à manger, cuisine. Où est-ce que je mets la télé? Nulle part, je peux pas. Sauf si un grand malin a décalé la porte pour avoir un mur pour mettre la télé. Allez hop, tout le monde met son prime, tout le monde met son prime. Fini, je viens de plier le game. Je viens de plier le game. Je viens de choquer tout le monde. Je viens de choquer tout le monde. Mettez votre prime. C'était le contrat. Un génie, merci. Enfin, on me traite à ma juste valeur. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de chat. Ok, ça. Tout en violet. Et c'est game. Hop, je vous le prouve tout de suite. Télé. On prend la télé suspendue. Quelle taille? M, vu que j'ai fait de la place. S, vu que j'ai fait de la place. Et oui, elle rentre maintenant. Est-ce qu'elle est centrée? GG. Oui. Merci. Merci Lefter, la seule personne qui tient parole. Ok. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Canapé. Un joli petit canapé blanc ou violet. On peut peut-être même mettre un petit canapé d'angle pour se faire un espace cocooning. Ok, il n'y en a pas. Oh, si. Ok, chat. Non, là, c'est trop. J'ai pas pu résister, obligé de claquer le prime. Merci, Kira. Merci beaucoup pour le sub. Merci mille fois. Il est bleu là, hein. Ouais. C'est pas la bonne couleur.
En fait, le truc, c'est que je suis daltonien, les mecs. Le truc, c'est que là, je suis daltonien, donc pour le coup, c'est pas de ma faute en vrai s'il est comme ça. Attendez, attendez. Oh, bah, bingo, bingo. Bingo! Ça part en mode art déco, les gars. Ça part en mode art déco. Tapis. Tapis, tapis, je sais exactement ce que je vais mettre. Hop. Ok. Table basse, il est rose. Il y avait marqué violet. Là, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, les gars. À un moment, c'est à marquer violet. Je peux pas non plus être dans le truc. C'est, genre, c'est pas de ma, c'est juste pas de ma faute, en fait. Comme ça, tu peux te poser, tendre tes petites patounes en détente. Le canapé, il jure là. Il est horrible. Le canapé, il est horrible. Le canapé, il va vraiment pas du tout. Non, il faut dire la vérité là. C'est le pire canapé de la Terre. Hein. C'est pas de ma faute, mais quand même, je suis un peu responsable de ce que je mets dans mon truc là. Et j'avoue, il est pas beau. Ah, c'est bon, je l'avoue. Moi, je suis pas... contrairement à vous, je suis avoué quand j'ai tort. Là, ça va pas, là. Il me faut un tapis rond, en fait. Attends, déjà, table basse. Merci, Po, merci beaucoup pour le prime, c'est gentil. Merci mille fois. Il me faut un truc autrement, là. Marbre sur marbre... Attendez, je teste parce que je suis en train de me dire avec un tapis mais qui dénote de fou, là ça peut peut-être faire un truc. Mais peut-être que non. En fait, il me faudrait un tapis comme ça. Voilà, j'assume jusqu'au bout ce nouveau style. J'assume jusqu'au bout ce style. Je vais être que dans du marbre, du blanc, du violet. Et rien d'autre. Marbre, blanc, violet, rien d'autre. Étagère. Étagère longue. Blanche. Ok. Barre de son. Attends, c'est centré ou pas ce truc? Je pense que oui. Barre de son. Y a pas. Ok, enceinte. Ok, enceinte. Enceinte standard horizontale. C'est quoi cette enceinte? Elle pue sa mère, non? Elle fait 1 cm. Tant pis, on peut mettre qu'une petite, je fais ça. Fleur. Je rappelle, on doit pas perdre trop de temps sur ce truc-là, normalement. Décoration plante. Blanc mat. Toujours plus. Toujours plus. Bouteille. C'est mon style. Il faut qu'on aille à fond dedans maintenant. Maintenant, on va à fond dans ce style et on l'assume. Ok, bouteille encore. On va mettre de la tease à côté. Ok, un verre. Un verre, une bougie et finito. On n'en parle plus. Verre, voilà Johnny. Voilà, parfait. Ok, et une bougie. C'est comme ça que ça se passe maintenant ici. Avec un petit bougeoir. Comme ça, blanc encore. Toujours plus de blanc. C'est
C'est immonde. C'est immonde, mon truc. Mais c'est pas grave, je suis trop avancé dans mon truc, il faut que j'assume maintenant. Un meuble, les gars, il me faut un meuble à mettre derrière le canapé. Mobilier, salle à manger. Et il me faudrait un comptoir, là. Enfin, pas un comptoir, mais... Il me faudrait un bail comme ça, en fait, mais sans un buffet. Voilà, c'est ça que je cherchais, un buffet. Il me faut un petit buffet bas à mettre derrière. Putain, il est horrible, merdier, là. Ah, il devient bien. Il devient bien. Bois blanc, métal blanc, tout blanc. Ok. C'est très réfléchi, hein, mon truc. C'est très réfléchi. Ça peut être choquant. Mais c'est un truc de décorateur très très avancé ce que je suis en train de faire. Parce que vu qu'on est ici, il faut qu'on laisse un petit couloir. On n'a pas le choix, les gars. Il faut qu'on laisse un petit couloir. Je peux pas le coller un poil plus. Putain, il est horrible le canapé. Il me dégoûte. Je pourrais gerber. Je pourrais gerber, vraiment. Ok, là il est bien serré, bien aligné. Ok, maintenant il me faut une table à manger. Table. À manger. Il me faut une table à manger, mobilier, salle à manger, table, et il me faut une table en longueur. Genre ça, voilà. Ok. Bois blanc, ça bouge pas. Blanc, ça bouge pas. Et voilà, je sais pas, on s'en fout. Ok, et je vais la mettre là. Il faut qu'elle soit alignée. Donc là, c'est ma salle à manger. Après, il me faut des chaises. Et là, je vais faire le coin cuisine. En vrai, ça va le faire, hein. Y a rien qui va. En fait, tout va. Juste, c'est moche. Genre, si j'avais mis des bonnes couleurs, ça aurait été bien pensé et tout. Elle est trop grande, la table. Moi, je pense que c'est bien. Au moins, on peut recevoir, là, dans mon truc, tu vois. Je pense, hein. Chaises. Il me faut... Non, attends, je vais refaire mobilier. Mobilier, salle à manger... Chaise. Je pense que ça, c'est pas mal. Il y a... Ah non, il n'y a pas. Dommage, parce que dans l'idée, c'était pas trop mal. Sans faire voir, ça se voit vraiment que c'est horrible la couleur ou pas. Je mets comme si ça vivait, c'est comme si voilà quelqu'un venait de se lever. Hop. Les gars, je vous jure, il y a un truc. Il y a un truc. Et là, en fait, il faut que je pète le mur et je décale la porte, je crois. Hein. Parce que la cuisine, il faudrait que je puisse mettre un petit truc un peu d'angle. Non? Merde, faut pas de pluriel. Il faudrait que je puisse mettre un petit truc d'angle, je pense. Non, pas en mode décoration. Oh. Déjà 22 mois. Ok, ok, ok. Là, ça va, c'est dans mon style, là. C'est mon style de déco, ça. Les gars, je me fiche pas de vous, là. Je suis en train de faire un vrai truc. Bien, un travail bien léché. Attends, faudrait que je décale un petit peu la chaise. Merci beaucoup, Ekat. Merci énormément. 22 mois, putain. Merci mille fois. Là, normalement, 22 mois d'habitude. D'habitude, hein. Quand c'est les vrais viewers préférés des Français. Normalement, d'habitude, c'est une standing ovation dans le chat. Voilà, je le dis. Je le dis, c'est ce qu'on a habituellement. Fourchette. Fourchette. Je vais les laisser en métal, quand même, les couverts. GG. Ouais, youpi. Les fourchettes, elles sont vraiment longues, là. Bon, tant pis, vas-y, hop. Je décalerai la table après. Enfin, la chaise, pardon. Ok, couteau. Après, si c'est pas mis pixel, on s'en fout, je pense.
Ok. Après, les verres à 20. Je me tiens, vas-y, on s'en fout. C'est pas des verres à 20, mais c'est pas grave. Je crois que... Attends, je vais mettre verre comme ça, en fait, et verre à 20. Juste, ils sont plus bas. Ouais, voilà. Verre à eau de vie, eux, ils appellent ça. Ils se la foutent à l'eau de vie à table. Ok, c'est pas grave, c'est déplacé un tout petit peu. J'ai un peu la flemme de remettre... Il n'y a pas de chemin de table dans le truc, je crois. Je crois qu'il n'y a pas de chemin de table. Je vais taper... Attends, décoration plante, je pense. Décoration plante. Non, bougie d'abord. Ça, c'est un vrai couteau. C'est très réel, ce que tu es en train de dire. Mettre acier pour avoir un peu de touche, quand même, là. Ok. Je le centre un peu. Ok, bouteille. Je vous jure, je vais faire un truc vite et bien. En vrai de vrai, on va pas prendre 12 ans. Juste, on s'applique un peu, quoi. Ok, on va mettre une bouteille d'eau ici, une bouteille de vin en face. Ou de champagne, voilà, très bien. Ok, maintenant, je vais mettre des fleurs. Décoration, plante. Il me faut des fleurs à table, mais pas des, voilà, des petites fleurs. Il me faut pas un truc de fou, genre. Ça, c'est joli. C'est un peu dans nos couleurs et tout, en plus c'est pas mal. Les gars, franchement, ma table, elle est ok, non? Moi je la trouve ok. Éclairage, décoration. Non. Éclairage. Plafonnier. Je vais essayer de mettre un truc qui pend au-dessus. Celui-là, il est très cher, hein. 2000 euros le lustre. Non, on va pas mettre ça. Ça, c'est moderne, le truc avec les ampoules, avec le fil dedans. Ça, c'est pas mal. Attends, je teste juste voir. J'ai du mal à m'aligner avec la table. Ok, je vais décaler juste ça un tout petit peu. Ok, et je vais mettre un interrupteur. Interrupteur, ça fait un peu train, je trouve. C'est un truc un peu à l'ancienne. Le mur, je pense que je vais le péter, donc je vais foutre ça là et au pire on le décalera. Je vais mettre là et on décalera plus tard, on s'en fout. Ok, faut le décaler. C'est dommage que c'est clair en blanc, mais franchement, je trouve que c'est pas mal. 100% un PNJ va demander un sauna. Mais là, de toute façon, là, on va faire chambre avec petite salle de bain. Et t'as une salle de bain qui fait et salle de bain et sauna. Enfin, une genre de cabine de douche. Donc, ça va être très bien. Putain, la couleur de mes murs et tout. Et le canapé est trop, trop horrible. C'est, faut dire la vérité. Hein. Le canapé, c'est une dinguerie comment il est moche. C'est vraiment une dinguerie comment il est moche, le canapé. Attends, je teste juste pour voir. On dirait juste qu'il y a une vache qui est morte, quoi. C'est horrible. C'est horrible et ça va devenir le tapis de mon entrée. Une petite vache morte là. Hop les. On verra plus tard ce qu'on en fait. Et là, les gars, je crois que je suis obligé de. Je vais la poser là en attendant. Je la bougerai après. Je vais être obligé de faire exactement pareil que là-bas pour faire une petite cuisine d'angle, genre ici. Pour pas que ce soit dans le passage. Est-ce que j'aligne la porte là? Le plus logique, ça serait de l'aligner là, la porte, et de faire la cuisine dans l'angle là.
putain, faut racheter de la même peinture, les mêmes trucs et tout, du coup ça fait chier. Ok. Je crois que le fait que ça soit comme ça, ça me bloque. Ouais, c'est ça. Ok, et là, tac, tac, tac. Ah merde, il faut que je pète le truc du dessus. Ça, c'est mal fait quand même, je trouve. Genre devoir faire, se faire chier à faire ça alors que pour remettre après, c'est trop dommage. Bon, après, ça prend pas non plus un temps de fou. Mais, mais c'est chiant, quoi. Ok. Ok, et là il faut retrouver la peinture dégueulasse. Putain, la porte là elle jure de fou. Hein. Non, je touche pas. Peinture. Je me rappelle plus trop ce que c'était comme peinture. Prune chaude. C'était pas ça? Prune chaude, ça me dit un truc. Je crois que c'est ça, chat. Ah, c'est ça, ok. Prune, prune, merci chat. Merci, merci. Ok, ok. Et là, il me faut une cuisine d'angle. Il me faudrait toute faite, en fait. Le mieux, ça serait toute faite. C'est dans quoi déjà? Cuisine, accessoires, décoration, éclairage, équipement de salle de bain, électrique, mobilier, cuisine. Ensemble de cuisine, ok, j'ai trouvé. Et là, est-ce que ça existe un ensemble de cuisine d'angle? Fallait faire l'autre côté. Oh putain, FF, c'est vrai. Je crois que ça n'existe pas. Un ensemble de cuisine d'angle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une base. Peut-être pas une futuriste, c'est un peu moche. Genre en mode ça, peut-être. Non, ça c'est trop pastel. Il me faut pas pastel. Il me faut pastel, 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 pastel. Clair. Non, c'est pas clair qu'il me faut non plus. Neige non plus. Mais c'est quoi? Foncé, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bah merde, alors je fais comment les gars là? Ça, y a un frigo là-dedans ou pas? Je sais pas trop s'il y a un frigo là-dedans. Genre ça, ça ressemble à un frigo, j'ai l'impression. Ensemble. Genre ça peut peut-être être pas mal de faire un truc comme ça. Ouais, parce que là c'est trop long. Genre ça peut être peut-être pas mal de faire un truc comme ça. Mais dans ce cas-là je bougeais pas le truc. Non, je vais pas prendre un ensemble. Attends, ensemble marve. Marve. Il me faut un truc qui soit pas ensemble. Genre il me faut le truc marve mais sans l'ensemble. Ça existe ou pas? Ça, voilà, c'est ça qu'il me faut. Ensemble clair marve. Ça, je prends. Je prends, je prends, je prends. Ok. Validé. Donc ça, c'est ma base. Après, je le décalerai, vas-y, on s'en fout. Admettons, je le mets là. Là, après, il me faut un module comme ça et un frigo. Attends, je vais taper réfrigérateur. On va le choisir en premier. Réfrigérateur, on va prendre un truc... Ah ben, marve. Voilà, ben, parfait, en fait. On va pas prendre un double. Voilà. On le mettra... attends, elles sont où les poignées? Elles sont là. Je vais le poser là à l'arrache. Et il me faut une autre... un autre module comme ça. Donc marve... équipement de salle de bain... Non, putain, je suis con. Mobilier... Non, c'est pas ça. C'est dans quoi déjà? Merde, je me rappelle plus, les gars. Si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Ensemble de cuisine, meubles fonctionnels. Je pense que c'est ça qu'il me faut. Et il me faut un truc. Attends, mais sinon je tape Marv. C'est peut-être bien de faire ça. Ouais, parfait. Voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut, les gars. Idéal, là. Ok, donc je fous ça bien dans l'angle. Ok. Ça. Je le fous là. Ça, je peux le mettre là-bas.
Et j'ai de quoi faire rentrer un autre module Marv, je pense. Honnêtement, pour moi, en mon humble emo chat, je peux pas faire mieux. Avec rangement coulissant, clair, Marv. Je pense que je peux pas faire plus opti. Honnêtement. Je vois pas comment on fait plus opti que ça. Comme cuisine. T'as pas d'évier. Ok, en mettant un évier par exemple. Merde. Mais comment je fais là? Et comment je fais du coup les gars? Est-ce que ça existe un truc lavabo Osef? Non, non, je mets pas un lavabo, mais il y a forcément un truc. Oh non, 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 non. Ils vendent pas les l'eau. Oh si, si, j'ai vu là. J'ai vu. Ils appellent ça évier, meuble en bois. Ah merde, ça s'appelle pas tout le temps pareil, putain. Meuble foncé. Ça s'appelle pas tout le temps pareil, chat, mais comment je fais là? Meuble fonctionnel? Ok, c'est ça, meuble fonctionnel. Meuble en bois. Pas de soucis, Nina, t'inquiète. Ça a l'air pire que d'habitude, je trouve, ta co, là. Meuble clair, Marv, évier, c'est ça. Putain de sa mère. Bah, c'est incroyable, là, par contre, hein. C'est genre idéal. Non, franchement. Franchement, les gars. C'est ok de fou, là, non? Tu rentres à ton truc comme ça? Ça, du coup, putain, j'en fais quoi? Je vais le mettre là. Je pourrais limite en prendre un autre. Parce qu'en îlot central, ça passe pas trop bien, je trouve. Quoique, en fait, on circule, là, hein. Attends, si je l'aligne à ça... Ça marche en vrai en îlot central. Îlot central, c'est bien quand c'est face à la plaque de cuisson. Non, il est en plein milieu là, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, j'en mets un deuxième peut-être. Presque ça va pas fermer trop l'espace. Attends, t'arrives, tac. Je teste d'en mettre un autre et si c'est de la merde, je le vends. C'est pas mal en vrai. Franchement, c'est pas mal. Je trouve. Je trouve que c'est pas mal. T'as ton petit espace de travail. C'est plutôt bien, je trouve. Merci Valdi pour ce pouvoir. Change les couleurs. C'est mort, je changerai pas. Je changerai pas. Ah oui, là, il manque du marbre. Bien vu. Ok, alors attends. C'est pas dans mobilier, peut-être décoration cuisine? Non, c'est dans quoi ça va être ça? Tu sais, si je veux des petits trucs de cuisine... Attends, je sais qu'il y a des assiettes de bouffe. Allez, une assiette grise. On change, les gars. Ok, y a des fruits, genre un truc de fruits, non. Décoration, plante petite. Voilà, truc d'herbe en pot, là, parfait. Des herbes aromatiques. Ok.
Ok, pas mal. Là, il me faudrait une hotte. C'est quoi ça? Ah mais oui, putain, c'est ma lumière. Je vais la décaler, je vais la mettre là. Carafe, je crois qu'il n'y en a pas, les gars. Ah, ok, il y a une carafe. C'est pas une carafe d'eau, mais on va mettre comme ça. Elle est invisible. Genre, elle est invisible. Ok, une carafe. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah merde, c'est tout petit. Il me faut une haute aspirante. Une haute aspirante droite, je pense. J'aime bien l'autre comme ça, là. Ça fait un peu indus et tout, mais après, ça va pas aller avec le truc, je pense. Mais bon. Ah si, en vrai, c'est pas mal. Ça se met tout en haut, vous pensez, chat? Non. Genre comme ça, tu le mets, la mets bien au-dessus de la plaque. Genre mode, c'est genre comme ça. Je pense que c'est genre comme ça. Genre là, ça me paraît être une bonne hauteur. Ok. Décoration plante petite. Je vais chercher les petits trucs à mettre de ci, de là. Tiens, voilà un peu de persil. La carte, je vais la foutre à table, elle me perturbe, elle est trop nulle. Elle est vraiment trop nulle. Ok. Est-ce qu'il y a des accessoires de cuisine? C'est genre en mode... ouais, voilà, comme vous dites, grille-pain, machine à café, ce genre de truc. Équipement électrique, peut-être là-dedans, je pense. Divertissement ou salle de bain. Oh, c'est ni l'un ni l'autre qu'on veut. Ah. Y'a rien là qui va, non? Micro-ondes, ouais, voilà ce genre de bail. Ok, attends, je vais taper micro-ondes. Oh, bah four à micro-ondes. Oh putain, il est horrible. Il est horrible, mais en vrai de vrai, il y en a un souvent dans les cuisines. Quand je vais en foutre un, je vais le mettre là-bas, là, dans le coin. C'est pas le plus beau? Mais en vrai de vrai, dans ta cuisine, t'as un micro-ondes en général, quoi. Voilà, comme ça, tu sais, c'est plus réaliste. La grosse tour de vieux puant. Hein. En vrai, elle irait pas très bien, je pense. Honnêtement. Ok. Là, c'est vide, j'aurais mis un miroir ou un truc, je sais pas. Pas un meuble suspendu, parce que ça va prendre trop de place. Peut-être une étagère. Une étagère blanche, c'est peut-être un bon col. Genre une longue étagère blanche. Oh, mais what the fuck, mec? C'est millimétré, sa mère. On dirait que c'est fait pour... Ok, miroir. Merde. Non, ta gueule. Attendez, je suis obligé de pousser ça. Je veux juste essayer voir ce que ça donne. Ok, FFFF. Ça fait illusion en vrai. Mon dieu, comme c'est frustrant. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça passe en vrai. Merde, c'est pas ça. Décoration. Le miroir, ouais, c'est vrai que ça trigger un peu, mais bon, on n'a pas le choix là. Ça, c'est joli les trucs comme ça.
fais un test. Je dis pas que ça va rester. Ok, j'aime pas. Petit, je continue à chercher des petits trucs. Bah mec, petit, le truc, okay. il fait 10 km, genre petit. Là, ils ont mis ça dans petit. Bref, c'est pas ma définition de petit, là. Merci Emma, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Ça, c'est petit, ça. Encore, franchement, putain, ils ont du mal avec les petites plantes, hein. Genre là, pour vous, ça, c'est petit, chat. Franchement, pour moi, non. Je trouve ça assez grand comme truc. Ils ont du mal, hein. Mais pour moi, il y avait des trucs tout petits, vraiment. Ciboulette, un peu d'origan. Un peu d'origan, un peu de ciboulette, un peu de basilic. Allez hop. Ok, 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 ok. Y a pas des couverts de plateau, pouf, poubelle avec couvercle. Faut bien une poubelle dans une cuisine. Bon, vas-y, elle est moche, hein, mais on va la mettre. On va la mettre comme ça, on pousse le détail. Déjà deux trucs à herbe. Comme ça, là, t'as toutes les herbes du monde. En fait, je voulais surtout cacher le merdier là-bas. Peut-être que celle-là, elle cachera mieux. Nice. Pas facile à mettre ce truc là-bas. Merde. Pas mal! Pas mal en vrai là! Ok, ok, ok. Non, franchement les gars, honnêtement. Bon, les couleurs, je suis d'accord, elles puent sa mère. Mais. C'est pas, on n'est pas trop dégueu, hein. C'est de mauvais goût, mais. Ça, c'est bien organisé. Vous voyez ce que je veux dire? Le canapé, il est terrible, le canapé. Non, vas-y, vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je le dégage. C'est vrai qu'il est, il est infernal ce canapé, faut qu'on trouve autre chose. Faut qu'on trouve un autre truc, il est trop horrible. Il est trop horrible, il est trop horrible. Je reconnais qu'il est, il est vraiment trop dégueulasse. Oh putain, il est grand lui. Attends, je crois. Attends, elle est passée où ma plante là? Les gars, elle a disparu. Mais pourquoi je peux pas poser ça? Ah, mais il est penché vers l'arrière, en fait, le merdier, je crois, là. Ah non, ok, il y a un petit rebord. C'est mieux, en vrai, franchement, c'est mieux. C'est mieux, il me faut une décoration à mettre par-dessus le ça, là, genre une sculpture ou un truc comme ça. Sur pied. Je crois que c'était là-dedans. Voilà, genre un bail comme ça. Ouais, le truc, il a disparu pour toujours, là. Faut pas chercher à comprendre, les gars. Peut-être lui. Bon, c'est pas très beau, je pense, mais. Faut un truc qui cache l'autre partie, là. Putain. Allez, dégage de là. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce truc? Cadre? Peut-être des cadres photos? Tu sais, genre truc comme ça, mais qui sont pas au mur? Ah merde. Attends, décoration. On peut mettre des vases, hein. Je vais regarder un peu là-dedans tout ce qu'il y a.
S'il y a des trucs qui nous inspirent, vous criez, chat, hein. Tu peux mettre une petite cheminée, là? Mais une petite. Pas une big cheminée. Attends, attends. Ah, c'est crédible, là. Honnêtement, c'est très crédible, je trouve. Bon, qu'est-ce que je fous sur ce putain de meuble? Décoration. Je vais mettre des vases comme ça, hein, je pense. Les gens qui ont des vases comme ça chez eux, ils sont tout le temps blindés. Genre, c'est des vases de gens blindés, ça. Attends, c'est aligné en fait. Ouais, c'est aligné. Ok, décoration, je vais mettre des plantes encore. Petite pampa, c'est bien, mais ça rend pas bien dans le jeu, je trouve. Genre, j'aime bien les pampas, moi, dans la vraie vie. Mais dans le jeu, elles sont éclatées, je sais pas pourquoi. Il me faut une éclairage sur pied. Genre, j'aimerais bien un truc un peu en cloche qui tombe au-dessus du canapé ou quoi. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Ok, lui, il peut être pas mal. Oula, non, c'est pas, ça m'a l'air pas très beau. Je le mets juste pour test, parce que ça vaut rien. C'est horrible, hein. Il faut les caler ensemble. Ah, genre, t'aurais fait en mode 3 trucs comme ça? Genre, t'aurais fait ça, toi? C'est chum, non? Non, je préférais mon merdier, moi. Ah, je préfère comme ça. Ok, on va mettre décoration, on va mettre des plantes, hein, du coup. C'est trop dur, ce truc. Ah, c'est moche, c'est ce que je pensais, ça dépasse trop. Ça dépasse vraiment trop. Ça aurait pu être sympa ici, un truc végétal à la limite. Ou peut-être là, parce qu'on s'en fout que ça dépasse vu que c'est. Non, c'est trop moche. Ce qui est moche, c'est comme d'hab au bureau. Ok, je vais faire une lampe suspendue, hein, parce que moi j'aurais bien aimé une lampe sur pied, tu sais, qui va au-dessus du truc. Mais je vois pas de trucs qui correspondent. Là, pareil, des cadres, j'aimerais bien avoir un cadre, mais qu'on puisse poser avec un pied. Et j'en vois pas. Pourtant, il me semble que j'en avais déjà vu hein, dans le jeu. Mais là, je vois pas. C'est des cadres en mode décoratif, pas suspendu. Ah, voilà, comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Cadre photo. C'est ça, c'est un truc crédible à avoir sur un truc comme ça, non? Une photo de Maurice. Voilà, une photo de Maurice, ça, c'est logique. Ça, c'est très logique même. Décoration, plante petite. Ça, on avait dit, c'était ça qu'on met au bord ici. Ça sépare les deux espaces. En plus, c'est pas trop mal, je trouve. Ah, du coup, ça fait bizarre avec ça. Putain. Ouais, ça fait charger, là. Ok, bon, je vais laisser comme ça, mais en vrai de vrai, il est pas très beau. Et il nous faut des lumières, absolument. Éclairage, lampadaire. Ça existe pas, les gars, le truc que je veux, tu sais, que je vous ai dit sur le jeu, tu sais, un truc vraiment arqué qui tombe au-dessus de la table du salon. Il y en a ou pas? J'ai l'impression que non. Bah non, lampe de bureau, en fait. Lampe de sol, voilà, attends, lampe de sol. Eh non, il y a que des trucs tout droit. Il y a que des trucs tout droit. Merde. Je suis pas sûr du truc là. Non,
Non, là, c'est sur le chemin, c'est de la merde. Et ici, ça va faire bizarre, je pense. Oh, c'est pas mal en vrai. C'est, ça fait cocooning, tu sais. Cocooning, je sais plus comment on dit. C'est pas trop mal, non? Décale le buffet sur la gauche pour mettre une lumière dans l'angle derrière le canapé. Ah, j'ai peur que ça fasse pas beau. Tu sais, parce que le jeu, il considère l'espace au sol et ça, il fait pas glisser le pied en dessous. Donc du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je décale de jusque là. Ça va être trop bizarre. Non, je laisse comme ça. Je vais laisser comme ça en vrai. Ok. Il me faudrait quand même des lumières au plafond ou quoi. Celle que j'ai mise, c'était celle-là que j'ai mise. Je vais mettre une au-dessus du plan de travail là. Le problème, c'est qu'ici, c'est hyper sombre. C'est un peu sombre, quand même. Éclairage. Néon plafonnier, lampadaire. Ah, ça va, dans lampadaire, ça, ok. Oh, attends. Attends, en vrai de vrai, ça, si ça s'allume, ça peut avoir un petit flow, non? Pour éclairer cet espace. Il y a trop de trucs, je sais pas, il me manque des plantes sur ce truc, je trouve. Je vais dégager ça. Et ça, et je vais mettre des plantes à la place. Je pense que ça sera plus joli. Oh là, on va aller dans les petites plantes, hein. Dans les très petites même. Ok, une orchidée classique. Ah, ça c'est pas mal en vrai. Ça c'est cool. Elle prend de la place. Ok, orchidée j'aime bien, je continue. Plante petite, et on va en chercher une autre un peu dans ce style. Peut-être ça. Ça, si c'est petit, why not? C'est pas si petit, mais bon. Bon, j'aime mieux. Je suis pas transcendé, mais j'aime mieux ce style-là. Je trouve ça assez cool. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Attends, je vais tester peut-être des... Non, je vois pas dans quoi ça peut être. Ouais, c'est un train à la base, les gars. Éclairage, plafonnier. Il y a des spots. Genre ça. Je teste juste pour voir. Tu sais, si je fais une longueur qui va d'une porte à l'autre. C'est en mode... Ça peut être pas mal, faut juste pour bien les aligner, ça va être un enfer. Ok, là c'est bien. C'est bien. C'est pas bien en fait. Pourquoi elles sont pas alignées les trucs, les portes? J'ai fait de la merde ou Attends, là, je suis au milieu. Au milieu. Je dois décaler un tout petit peu là. Qu'est-ce qui a fait que c'est décalé, mon truc? Genre, je me demande carrément si c'est les mêmes... Je sais pas, j'en ai aucune idée les gars là du truc.
Ok, en vrai, ça me va. C'est simple, efficace. Ça me va. Là, du coup, ici, il nous faut... Putain, ça me fait chier. Je crois que je vais le laisser comme ça, le bureau, les gars. Je vais faire bureau. Je vais mettre un bureau comme ça. Ah, mais merde, j'ai oublié de changer la couleur. On reste dans le blanc. Je vais faire un bureau comme ça. Ok, après, ordinateur. Il me faut le Mac. Toujours. Ok. Équipement. Non, c'est pas ça. Mobilier, bureau. Franchement, les gars, on avance bien, là. Bureau, il est vanille, cassis. J'ai pas vu ce que j'ai fait, honnêtement, là. J'ai fait de la merde, en gros, avec le bureau. Ok. Clavier. Ah non. Faut pas déconner non plus. Hein. Ok. Souris. Souris Maple. Fait rire à chaque fois, ils ont vraiment fait la refrappe. Ok. Pas mal quand même. Franchement, c'est pas mal, hein. Ça, juste, ça jure un peu. C'est pas très beau, putain, mais je sais pas quoi en faire, les gars. Je vais le laisser comme ça et tant pis. Lampe de bureau, éclairage, lampadaire, lampe au sol. Je vais peut-être remettre ça. Comme ça, on garde un peu la ligne directrice. Tu fais peur à Stéphane Plaza avec ton talent, l'incachable. Eh ouais, Stéphane Plaza, il doit être en train de se chier dessus. Il doit être en mode, mais putain, what the fuck, le gars est trop talentueux. Oh, c'est dégueulasse, hein. C'est trop moche, les gars. Vous avez ça? Franchement, je pense, hein. Je décale un tout petit peu. Là, je pense que c'est bon. Interrupteur. Les gars, avis honnête sur ma maison, là, pour le moment. Avis honnête uniquement, chat. En vrai, les couleurs, elles sont horribles. Mais niveau fonctionnalité, c'est propre. C'est bien fait, là. Ça compte comme un couloir encore. Putain, c'est pas un bureau, là. Mobilier, bureau. Je peux pas le poser, le queutru, là. Mais pourquoi je peux pas le poser? C'est quoi cette... Ah, putain. Je crois que c'est à cause de ça. Ça faisait bugger tout à l'heure aussi. Eh non, mais mec... Ah, mais parce qu'il est dans le mur, en fait. Bah, c'est pas possible, ce truc. Ah. Ok, j'ai un problème, chat. Il me faut un truc beaucoup plus fin. Oh, il y a un bureau assis debout. C'est peut-être plus sympa, ça, alors. Quitte à faire un grand bureau, autant jouer le truc à fond. Ok, je vais faire ça. Je vais le mettre dans l'angle là-bas, là. Au moins, ça fait un bureau un peu plus sympa. Et en plus, ça, t'as vu sur une fenêtre. Là, c'est win, là. C'est quand même mieux, non? Là, t'es tranquille. Tu travailles, au lieu de regarder un mur, tu regardes la fenêtre. C'est un peu plus agréable, je pense. Allô, ma souris? C'est ça? Ok.
Le puron lui-même, il est horrible, mais bon, il y a pas le choix. Hein. Il y a pas le choix, les gars. J'ai acheté, je mets. Et comment on fait pour que là, il détecte un bureau, putain. Rangement, je pense que c'est ça qu'il me faut. Hein. Il me faut des rangements, mais... Bah, c'est pas pratique, quoi, ce truc-là. Putain, il dit que c'est toujours un bureau. Il dit que c'est toujours un couloir, pardon. Là, t'as ton petit coin bureau. Mais putain, je sais pas comment faire pour que ce soit un bureau. Trop large, ouais, c'est horrible. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai rien qui rentre. Ou j'ai ça, peut-être. Vas-y, c'est trop moche, tout noir et tout ça. Aucun rapport avec le merdier, là. Tu vois comment ça dépasse? Là, je peux en mettre un. C'est toujours pas un bureau et c'est moche. Je sais pas comment faire pour que le truc il se dise que le mec est dans un bureau. Les gars, qu'est-ce que je peux mettre? Peut-être étagère? Étagère. Il y a des trucs qui vous viennent, les gars, pour que ça fasse un bureau ou pas? Toujours pas. Lampe de bureau. Lampe de bureau. J'ai un espoir que vous ayez raison. Couloir encore, mais putain. Livre, je sais pas, je vais essayer d'abuser sur les trucs. Je crois que ça veut pas, hein. Je crois que le truc veut pas du tout que ce soit un bureau, les gars. Porte-crayon, je sais pas. Crayon. Ah putain. Ouais, mais tableau, pourquoi tableau ça ferait bureau? Tableau ça fait pas bureau, hein. Décoration, photo et cadre. Je crois que c'était tout en bas. Je mets des bails comme ça. Ok, je vais mettre des livres encore. Je vais essayer d'en mettre plusieurs, je sais pas. Ah putain. Bon, voilà, c'est un juriste. Il a beaucoup de livres comme les juristes. Les juristes, ils ont beaucoup de livres. Pas vrai? Pas vrai, la team? Ok, je sais pas. Une imprimante. Ouais, mais putain, ouais, vous avez peut-être raison, mais elles sont trop moches, les imprimantes. Rappelez-vous le truc d'hier. Ou d'enfin, d'il y a quelques jours, là. Oh, sa mère. Couloir, mais c'est pas possible là. J'ai mis vraiment tous les trucs dans le bureau. Hein. Des mouchoirs. Enlève une porte, non? Vous croyez que c'est ça? Je pense pas. Hein. Les gars, c'est censé être l'entrée de la maison, genre. Ou j'enlève celle-là? Eh oui, mais sauf que je fais quoi après? Ah ben, je peux reconstruire. Ok, d'accord. Ah ben non. Oh putain, c'est FF. Oh les bâtards. Trop en danger. Mais en fait, j'ai pas le choix, c'est un train. Mais oui, mais je suis con, pourquoi je vous écoute? Pourquoi je vous écoute? Vous êtes aussi con que moi. Merci même pas peur pour le sub, merci beaucoup. Merci énormément pour le soutien, ça fait plaisir. Ça, voilà, ça c'est les vrais abonnés, ça. Ça c'est les vrais abonnés. Ils arrivent, ils me disent pas de vendre une porte. Ils me disent juste un petit sub, un petit mot doux. Vous pouvez pas être normal. Normaux. Là, je suis dans la merde. Comment je fais pour remettre une porte, putain? Fais chier. Je sais plus dans quoi c'est, les gars.
C'était là-dedans. Je viens de me rappeler. Porte, et c'était au début. Ah. Ah. Oh non, non, chat. Je, c'est que des inter, mes viewers. Je fais comment, là? Deux fois, je l'ai pas vu. Deux fois, j'ai fait la même truc. J'avais mis quoi? J'avais mis Lila? Je crois que oui. Ouais, c'est moche, hein, putain. Ouais, c'est ça que j'avais mis. En vrai, il y a tous les trucs d'un bureau. C'est pas normal, là. Attends, je vais taper bureau et je vais mettre tout ce qui sort. Merci Thomas, merci beaucoup pour les 12 mois. Merci mon poulet. Moniteur, bibliothèque, chaise de bureau, tapis. Ah putain, peut-être que le tapis, il est pas assez tapis. Les gars, j'ai mis tous les trucs du jeu qui font un bureau normalement. Là, vraiment, je comprends pas pour le coup. Vraiment, tableau, j'y crois pas une seconde. Genre, je vois pas pourquoi un tableau transformerait un truc en bureau. Ça me dépasse, là. Ça me dépasse. Ça dépasse l'entendement, même. Voilà, voilà ce que, voilà le truc. Poids crayon, j'ai regardé tout à l'heure, il y avait rien. Oula. Non, bah les gars, c'est un couloir, genre, je sais pas, c'est un couloir. J'ai peut-être une idée. Je me dis, je ferme l'espace, sinon. Genre, en mode là, je fais un mur, une porte. Je vais tenter de fermer l'espace. Je tente et on voit ce qui se passe. Parce que s'il n'y a pas de bureau, les acheteurs ils vont me dire « Pas de bureau pour mon truc, c'est trop terrible, nanana. » Ils vont bouder et péter les couilles et après ça va pas marcher. C'est tout le temps pareil. Le pattern se répète. Voilà, et là je vais chercher une porte toute fine. Porte intérieure, et il me faut une porte miniature. Genre en mode... Ça existe pas les petites portes de train? Non, je pense pas. Il me faut genre un truc comme ça. Je pense qu'avec un truc comme ça, ça va fonctionner, honnêtement. Là, c'est un bureau, là. C'est un débarras, mais nique ta mère la pute, voilà. Comment ça, c'est un débarras? Comment ça, débarras? Pourquoi débarras? Oh non, j'ai mis ce clic. Mobilier, bureau, bibliothèque. Petite bibliothèque de bureau, peut-être que ça sera mieux. Elle fait 100 mètres carrés, la bibliothèque. Oh, pas mal. Je m'en fous qu'il y ait un casier pas exploitable, je m'en branle. C'est toujours pas un bureau, je vais devenir fou. Je vais devenir fou allié. Je pense que l'étagère était quand même importante. Bah là, il y en a une du coup. Un moniteur, une bibliothèque ou une étagère, une chaise, un tapis, un bureau. Bah j'ai tout. J'ai tous les trucs que t'as dit. J'ai tous les trucs que t'as dit, vraiment.
C'est trop petit. Pourquoi ça fait combien de mètres carrés normalement? Je vais agrandir. Je vais faire un côté où tu rentres dans le bureau, un côté où tu rentres dans la maison, tant pis. Genre ça sera une dépendance, le bureau. Voilà, hop. Elle m'a cassé les couilles, la peau de vache. Elle va rester là pour le moment. Coucou Linka, j'espère que tu vas bien. Plein de courage et Linka love. Agathe, ça va, mais sache que ça irait mieux dans un monde où on accepte mon bureau comme un bureau. C'est encore un débarras. Non, les gars, là, vous m'avez menti, ça a aucun rapport. Putain, je vais devenir fou, c'est quoi le truc qui va pas? Mec, je sais ce que je vais faire. J'en mets un deuxième. J'en mets un deuxième en mode, c'est une start-up. On a fondé une start-up avec ma femme. Et du coup, on a deux bureaux. On a deux bureaux. Voilà. C'est quoi cette merde? C'est toujours pas un bureau. Bureau. Genre là, si je mets un autre PC, ça marche pas. En mode, tu sais, tu condamnes un truc et tu dis, vas-y, il y a deux bureaux, c'est l'espace de travail de la famille, quoi. 9 mètres carrés. Non, vos gueules. C'est vous mentez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous mentez. C'est réel ou pas? 100%. Je vais l'avoir, hein, ce putain de bureau. Je lâcherai rien. Là, j'ai rattrapé le mètre carré que j'avais perdu, là. On va tester. On va voir. Débarras de 9 mètres carrés. Allez vous faire foutre, c'est bon, j'en peux plus. Non, vraiment, j'ai la pire commu de France. Vous... Chat, pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Ok. Décoration. Attendez, c'est pas fini. Déjà, là, je fais ça. Il manque une plante ici, je trouve, pour cacher l'angle. Ok. Je reprends un PC. Ça me coûte cher, ce bureau de merde-là. Ça me coûte très cher. Ok. Clavier. Clavier à 150 balles. Une souris à 150 balles. C'est encore un débarras. Je sais pas pourquoi. Vous pensez qu'il y a trop de livres? Il y a un truc qui est pas bon. Mec, moi j'ai pas de débarras comme ça chez moi, excusez-moi. Hein. Bon bah tant pis, ça restera un débarras. Je sais pas comment faire. Le jeu me pousse dans mes retranchements. Le jeu me déteste, voilà. On peut le dire. Là, ça a tout d'un bureau.
C'est même un bureau stylé. Regarde, elle est trop contente. C'est pour lui rappeler que si elle bosse bien, elle pourra aller en vacances. Hop. Faut pas une bibliothèque. Je pense pas, honnêtement. Mais au pire, s'il me considère ça comme une bibliothèque, c'est mieux que rien, hein. C'est une bibliothèque, bah vas-y, nique, hein. Je laisse une bibliothèque, les gars, ce sera mieux que rien. Hein. J'en fais une bibliothèque, chat? PC, pas Mac, peut-être? Non, non, on a déjà fait. PC, pas Mac. Le jeu payé. Et non, c'est pas chess gaming et tout, ça a rien à voir. Ok, je laisse comme ça. Tant pis, nique sa mère. On a essayé. On n'a pas réussi, chat, c'est la vie. Plus de étagères, mon ref. Non, c'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça. On a déjà fait des bureaux 1000 fois dans le truc là. Tant pis, on laisse comme ça. Décoration, photo et cadre. Je vais dégager l'autre tableau qui est trop moche. Je vais mettre un tableau en longueur. Si j'en trouve un. Genre ça, voilà. Un panoramique. Bah attends, c'est pas du tout un panoramique là. Ah putain, faut tous les acheter, les coller entre eux. Ok, m'intéresse pas. Je vais mettre un grand truc juste pour prendre bien le mur. Ok, et je vais remettre une étagère en dessous, des fois qu'il y a un truc, et tant pis, c'est moche, et je laisse comme ça, et on abandonne le projet, les gars. Bon, c'est toujours une bibliothèque, nique sa mère. Ça sera un bureau, si quelqu'un veut bien l'accepter en tant que tel. Moi, pour moi, ça sera jamais une bibliothèque, ça, voilà, je le dis. Le seul truc qui me fait chier, c'est que j'ai peur que j'ai avoir des clients, je pense qu'ils vont dire « Ah bah, y a pas de bureau, c'est de la merde et tout, hein. » Je pense vraiment que des gens vont dire ça, hein. S'il y a les deux, ça compte pas comme un bureau. J'y crois pas. Tout à l'heure, ça marchait déjà pas, donc... Je laisse comme ça, et tant pis, nique. Nique. Je laisse. J'y touche plus. C'est bon. Hop. Tant pis. Et je vais faire la... Comment ça s'appelle? Ça, entrée... Attends, on a porte-manteau ou un truc comme ça? Je crois qu'il y avait des porte-manteaux... Que t'accrocher Ah putain, alors dans quoi ça va être ça? Objets spéciaux, je sais pas. Il y avait un truc. Il y avait des porte-manteaux que tu mettais au mur. Mais alors pour retrouver ça, les gars, je sais pas du tout. Hein. Ouais, ma bibliothèque, je pense que c'est toujours mieux que débarras. Mais dans quoi ça va être? Quelqu'un a une idée, les gars, ou pas? Récup le PC, ça te fait des thunes. Je sais pas, je me dis pater. Jamais entendu ça, putain, pater. Ok, merci, les gars. Je vais prendre ça, on s'en fout. Comme ça, on capte, c'est une entrée. Là, on va mettre un meuble à chaussures. Ok, petit meuble à chaussures dans l'entrée. Il me faudrait de la lumière. LED. Spot. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, les gars. Non. Éclairage. C'était un truc comme ça, hein. C'était des spots, enfin, il me semble. Bah, merde alors, c'est où?
Attends, mais what the fuck? Lampe halogène, ok, faudra s'en rappeler. Merci chat, pour ceux qui l'avaient. Ah, bah pourquoi il veut pas? Ah putain, c'est arrondi. C'est arrondi, du coup je peux pas poser. Interrupteur. J'avais pas fait gaffe. Oh putain, attends, mais comment je fais là? Il me faut des trucs contre le mur, je suis obligé. Je vais virer l'autre truc que je viens de mettre. Lampe murale, je pense qu'il me faut un truc comme ça. D'après moi, j'ai pas le choix. Oui, voilà, bah, genre ça, c'est très joli d'ailleurs. Ça m'a l'air pas mal. Ah, mais c'est si tu mets un cadre, ça. Bah, je mets ça dans l'entrée et je vais mettre un cadre en dessous. C'est pas beau. C'est pas beau, on va faire comme si ça avait pas existé, chat. Je pose un cadre et une plante, on se casse et plus jamais on vient ici. Ok? Plus jamais. Voilà, photo, médium. Hop, allez, on se casse. On regarde plus. On regarde plus, on regarde plus. Là, je vais prendre une plante suspendue quand même. Histoire qu'il y ait des plantes et qu'ils soient contents dans le jeu. Hop, les. Petite entrée. Petite entrée, salon. J'ai claqué trop de pour rien avec le bureau, je suis dégoûté que ça me considère pas que c'est un bureau. Et là maintenant on va faire chambre, salle de bain. Du coup il me faut... En fait il y a des portes, elles vont être condamnées et tant pis, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix les gars. Parce que là il me faut le lit double de ce côté, je suis obligé. Parce qu'il faudra que je ferme l'autre côté pour faire une salle de bain. Donc là je vais mettre un lit double d'amoureux. On s'en fiche un peu de l'apparence du truc hein. J'en ai bien un truc un peu dégueu. Ouais voilà. Voilà, je vais mettre ça, on s'en fout. Ah ben non, là c'est le sonar, j'ai dit. Mec, la taille du lit là, ça va pas hein. Attendez, il faut que je réfléchisse. Ça va pas. Il me faut le plus petit lit. Tu peux pas supprimer les portes? Non, 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 ça laisse un trou. Ça laisse un trou après. Il me faut un lit double, mais qui soit plus petit que ça. Je sais qu'il y en avait un qui était petit. Ok, lui, il est déjà plus petit. Je pense que là je suis au max. Et ouais, je peux pas le coller plus. Je peux pas faire plus. Et là en gros ce qu'il faut que je fasse c'est une salle de bain. La chambre elle va faire mais là 14 mètres carrés. Il y a un minimum pour que ce soit considéré comme une chambre ou pas? Je pense que oui moi. Mètres carrés. Ouais, mais je parle pas dans les émissions de Stéphane Plaza là, les gars. Hein. Je parle dans le jeu. Moi, je veux que le jeu ils disent il y a une chambre, même si elle est pourrie. J'en ai rien à foutre. Ok, porte intérieure. Faut la plus petite de la terre là. Vraiment la plus petite de la tête. De la terre. Porte intérieure. Salle de bain il me faut. Porte de salle de bain. Voilà hop ça. Je mets vitré, on s'en fout. C'est quand même plus joli. Même si c'est pas réaliste. Une véranda rideau bien sûr. C'est dans quoi déjà cette merde? J'ai ça dans la tête. Ça doit être une pub, j'ai une méchante pub dans la tête là. Ok, pièce, chambre. Donc ça c'est bon, c'est une chambre de 9 mètres carrés qui a aucun sens mais on s'en fout. Et là du coup il me faut la cabine de douche sauna. Ouais les gars, ça va être un enfer. Ça va être vraiment dur là.
à faire rentrer tout le merdier. Je pense même pas qu'elle rentre, honnêtement. Installation douche. Plomberie de douche. Je pense que ça rentre pas. Ok, peut-être qu'on va laisser tomber le sauna, les gars. Attends, on va tester. Moi, si ça passe pour le jeu, je m'en fous. Parce que je veux juste qu'il considère le jeu qu'on a fait un truc. C'est tout. Sauna, et normalement, c'est ça, voilà. FF. Ça fait la taille de la salle de bain, les gars. Et si je fais comme ça? Eh ben, pas de sauna. Voilà, pas de sauna. Ils vont se faire foutre. Ils vont se faire foutre, les gars. Voilà, moi, je leur dis. Je leur dis, allez vous faire foutre, putain de merde. Qu'est-ce que vous me demandez tous des trucs? Des trucs infaisables. Eh ben non. Moi, dans ma salle de bain, il n'y a pas de sauna. C'est tout. C'est tout. Et qui va faire quoi, en fait? Voilà. Là, voilà la vraie question. Ok, j'installe. Là, normalement, il n'y a pas de truc au bord. Oh putain, il y a un truc. Ok, ben elle est moche. Voilà, tant pis. Tant pis, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix de toute façon. Il n'y a pas le choix. Regardez pas, chat. Regardez pas. On n'a pas le choix. On a fait n'importe quoi. On n'a pas le choix. Toilette suspendue. Ici dans le coin, le plus dans le coin possible. C'est comment les toilettes suspendues? Équipement de salle de bain, toilette, suspendue. Hop, je les mets bien dans le coin et on fait avec. Oui, c'est vrai qu'ils appellent ça WC, ils sont trop chiants. Ok, je peux plus passer. Je peux plus passer. Et là, on met une installation de trucs. Installation de... C'est quoi déjà le nom du truc? Plomberie de toilette, machine à laver, lavabo. Focus, il va pleurer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a encore celui-là? L'Ifocus, non mais oh. Ça va encore être un truc. Non mais... vas-y, c'est bon, Focus, je suis prêt. Je suis prêt. Qu'est-ce que c'est que t'as dit, Twitter? Il m'envoie prout ratio. Il a quel âge votre pote? Il a quel âge votre pote? J'ai pas que ça à faire, Focus. Mais ta gueule, mais... Ok. Ça dit ce qu'il faut dans chaque truc. Bathroom, nanana. Bathroom. Ok, alors attendez. Corridor, kitchen. Home, library, sauna. Man cave. Dining, home, cinéma, office. Desk lamp, bookcase, picture or carpet. Attends, desk lamp, office chair, bookcase. Bookcase, c'est pas ce que j'ai mis déjà? Attendez. Je vais aller tester direct. Vas-y, je me prends n'importe quoi. On s'en fout. De toute façon, pareil, ici on m'y reprendra plus. Bookcase. C'est quoi bookcase, chat? Quelqu'un sait ou pas? Ok. Voilà, miroir. Merde, putain, je sais pas écrire. Ok, interrupteur. C'est une bibliothèque, ah bah merde, donc c'est ce qu'on a mis en fait. C'est ce qu'on a mis. Décoration, plante. Je suis qui est bleu dans la salle de bain, putain.
Ok, et il me faut une lampe. Éclairage, lampadaire. Non, plafonnier. Ok, on a une salle de bain qui est toute simple, mais elle fait le taf. Une chambre. Non, ma chambre, c'est vraiment trop grave. La chambre... La chambre... putain, je sais pas quoi dire. J'ai pas d'excuses, les gars. J'ai pas d'excuses. La chambre, on va faire comme ça. Hop. Mais parfois, faut faire des choix. Là, on n'a pas eu le choix. On a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix pour la chambre. Non, vraiment. Mais cas, je te jure, la chambre, c'est le jeu qui m'a trollé. C'est pas de ma faute là. Et ça, bibliothèque. Putain, mais on en a mis des bibliothèques. Il en faut plus. Ouais. Non, mais sûr que non. J'ai mis tout ce qu'ils veulent là. Les gars, j'ai mis tout ce qu'ils veulent dans ce truc. Merci mon Hellboy, merci beaucoup pour les 44 mois, putain. Merci énormément. Ben, je la laisse comme ça, hein. Et le jardin... Le jardin, putain, j'ai la flemme. Attends. Putain, je peux pas la vendre parce que c'est mon bureau. Faut que j'achète une autre maison. Moteur de recherche... Maison inondée, ça sera ma... Non, vas-y. Venez, on prend une maison stylée pour après. Maison de vacances. Home alone. Mais ça, est-ce que c'est pas la maison qu'on a fait la dernière fois déjà? Non, c'est une autre. Venez, on fait une maison épique après. La lampe de bureau qui manque, non? Non, j'ai mis... Ah, mais peut-être qu'il faut la mettre sur le bureau. Attends. Attendez, putain. Ça se trouve, il faut la mettre sur le bureau, la lampe de bureau, les gars. C'est peut-être juste ça. Moi, je l'ai mise là. J'y ai cru. Je vous dis la vérité, j'étais hyper heureux. J'y ai vraiment cru. Je vous jure, j'y ai cru. Je suis arrivé avec la conviction que ça allait le faire et tout. Bon, j'avais un espoir. Ça veut pas être un bureau, les gars. Ça veut pas être un bureau. Prochaine maison qu'on fera, les gars, ça sera... Celle-là. Sirene, et je la fais ma truc. Avec deux bibliothèques, la pièce sera toujours une bibliothèque. Ok, j'enlève une bibliothèque, vous avez eu raison. J'ai besoin d'une étagère pour mes provisions. Putain, mais celle-là, elle est déjà un peu paysagée et tout, il y a un truc à faire avec elle, hein. Attends, cette maison est hantée, mais nous pouvons lever sa malédiction pour toi. Tu veux vraiment jouer dans un lieu hanté? Non, je veux jouer sans les fantômes. Voilà, je veux une maison propre, moi, je veux pas de la merde. Bah, attends, mais là, je me suis fait avoir, moi. La maison était belle et tout. Et là, c'est devenu une catastrophe. Je crois que c'est ça. Déménager le bureau ici. Ok, et là, je vais aller dans mon truc. Mais non, non. Non, non, pourquoi? Non, pourquoi? Ok, je vous dis pourquoi. La flemme. La flemme de faire mon truc de nuit. J'ai envie d'y voir quand je retaperai ma maison. Voilà, vous savez tout maintenant. Ça va et toi, Emma? Bouh, je suis un fantôme. Tu fais trop peur, Nina, arrête. Arrête, on est tous terrifiés. Par pitié, arrête, t'es déraisonnable. Est-ce qu'on paysage le jardin de chat ou pas pour s'inscrire au concours? Il me faudrait un jardin vite fait. En vrai, celui de la dernière fois, j'ai tout compris. Genre, celui-là, je pense que c'est hyper facile d'avoir une bonne note. Je vais faire un à l'américaine encore. Je fais un à l'américaine, les gars. Je pense que j'ai compris comment faire pour avoir une note de fou sur mon jardin à l'américaine. What the fuck, il se passe quoi là? On
Ok. Béton. Ah. Ah, il faut avoir vendu le béton, je pense. Attends, je veux que ça arrive au même endroit. Putain, alors là, pour que ça soit au bon endroit, les gars, c'est, ça va être au petit bonheur la chance. Oh, le chien qui casse les couilles. Je vais la mettre au fond du jardin, la piscine. Je fais une piscine des punis, c'est pas grave. Ok. Je pense piscine des punis, c'est le bon bail. Mais mes chiens, je les avais assis. Ah, mais c'est parce que je suis parti et revenu. Je les enterre vivants. Je les enterre vivants, je le jure. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Maintenant il me faut un barbecue. Je le fais en mode speedrun pour avoir les thunes vite. Ok. Pergola ça s'appelle, je sais plus ce que c'est le nom du truc. Ouais, c'était, ah non c'était pas ça. Structure. Kiosque, c'était ça. Je speedrun les gars. Là je choque tout le monde normalement. Hop. C'est mal le speedrun de fou. Là on est millionnaire dans 2 secondes. Hein. Je sens que je vais gagner 12 euros encore. Le jeu me déteste trop pour que je gagne de la thune. Je me rappelle le premier jour où j'ai lancé le jeu, il y a des gens qui me disaient que j'avais déjà fait genre 800 000 de bénéf et tout. Les gros menteurs. Les gros menteurs. Je pense que c'est impossible. Je le dis, je pense que c'est impossible. Calme-toi, non les gars, je go crazy là. Là je vais à fond la caisse pour ma pergola. Ok, table de jardin. Là il me faut une grande table. De préférence ronde. Le nouveau PB kiosque. En vrai j'ai envoyé du lourd là. Mobilier. Attends, je vais faire là-dedans en fait. Non, c'est celle-là qui était toute petite. Table de pique-nique, non. Je vais quand même essayer de mettre une vraie table. Genre ça, ok, ça c'est bien, ça fait une bonne taille et tout, c'est pas mal. Ok, des chaises. Mobilier, chaises. Là, je m'applique pas les gars, je veux juste faire augmenter le prix de la maison, je vous le dis. C'est, mon seul objectif là, c'est de faire de la thune. Le train, il m'a saoulé, c'est trop dur de faire un truc correct. Ok, ça après il me faut surface, pierre, gravier, unicolore. On prend ça, on fait des chemins. Genre un chemin qui part de là. Attends, je vais tout vendre. Je vais dégager ça parce que je me rappelle il y avait... Ah putain, tout le tour c'est ça. Ah bah attends, je me fais pas chier en fait. Je vais pas tout refaire là. C'est mort. Un petit chemin qui va là. Là le jeu il va se dire what the fuck, le chemin c'est une tuerie. Je vous jure, j'ai compris comment bait le jeu. Je vous jure qu'à la base j'avais la volonté de faire un truc bien. Mais on fera un truc mieux dans la prochaine maison. Parce que la prochaine maison elle vaut 500 000 euros et il y aura moyen de faire du bénéf, alors que là c'est vraiment... C'est vraiment un gros caca boudin. En fait, ils me suivent partout, les klebs. Oh, ils sont trop mignons, en vrai, ils sont mignons. Ok. C'est toujours comme ça. Mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Poirier.
pommier. Il n'y avait pas de pommier, je crois. Je vais taper 3,5. Putain, ça marche. Ok. Je dispose mes arbres. Et après, je n'aurai plus qu'à les... Plus qu'à tout planter. Ok. Après, mobilier. Chaise longue. Il m'en faut 3. Plus ou moins. Pour bronzer autour de la piscine. Ok. Après, il nous faut des conifères. Je crois que ça s'appelait conifères. Attends, Faire grand couvre-sol, c'était ça. Ça, on en prend plusieurs. Et après, on aménagera tout autour, en fait, en fonction de comment mes trucs... comment rendre mes trucs. T'as oublié un morceau de gravier. T'inquiète, après, je referai un tour de gravier pour recréer des chemins et tout. Ah oui, là. Mais t'inquiète, ça sera pas oublié. Ok, on va planter tous les trucs. Le train violet, ça donne quoi? Disons que c'est parti en couille. Mais l'endroit le plus réussi pour finir, c'est le salon. C'est ça le plus flippant. Le plus flippant, c'est que l'endroit le plus réussi, c'est mon salon. Regarde. Attends. Voilà, le plus réussi, c'est ça. Quoi? Même pas. Non, faut aller se faire foutre, là. Faut aller se faire foutre. J'ai passé 12 heures à faire le truc. Allez, c'est bon. En vrai, j'aime bien, moi. Ça aurait pu être pire. Par contre, je sais pas pourquoi c'est bugué le truc à chaque fois, là. 2 heures sur la même maison, bah, c'est normal. C'est le genre de jeu qui se prête à passer du temps. Ok, le dernier. Ah putain, mais il y a tous les trucs. Planter les arbres, c'est vraiment long. Ça prend vraiment un temps de fou, je trouve. On n'a pas vu le plafond. Non, on n'a rien vu. On a rien vu, t'inquiète. Y a rien. Y a rien. C'est Stéphane Pizza. Ta gueule, focus. J'aime bien. J'aime bien. Ok. C'est long de planter les arbres, putain. C'est super long, je trouve. J'adore ta blague. Il s'est fait valider, focus. J'adore la blague. Là, elle est épique, la blague de focus. Oh, j'ai gagné du temps. Let's go. Bah ouais, t'es validé, mon vieux. Qu'est-ce que tu crois? Là, j'ai coin barbecue, table, chaise, pergola, piscine, coin pour bronzer, des plantes. Je vais spammer les fleurs au pif. Après, je vais faire les chemins, mettre de la lumière et je vous promets qu'on a gagné. Clique juste pour creuser. Comment ça, clique juste pour creuser? C'est ce que je fais? Tu restes appuyé? Non, tu peux pas. Entre chaque coup de pelle, t'es obligé de réappuyer. Ok. Ça fait longtemps que les chiens m'avaient pas cassé les couilles. Ok, l'arbre il est en plein milieu du coup, ça fait un peu chier, c'est pas grave. Plante, fleur, et là je spam. C'est le moment où on spam comme des oufs. Après on met des plantes décoratives. Tout ce qui est pas... Et l'autre côté du jardin je le ferai jamais, voilà je le dis au cas où. Ils disent un jardin accueillant et avec un côté je sais pas quoi. La blague mérite un salaire, en vrai non. Hein. Honnêtement, en toute objectivité pas trop. Hein. Ah merde, j'ai oublié de faire un chemin qui va là. Attendez. Si, de ouf. Non. En vrai, pas trop. Hein.
En vrai, de mon point de vue, elle mérite pas du tout un salaire. Et vous, les gars, vous en pensez quoi de cette histoire? En vrai, avoir un salaire, je sais pas pourquoi ça fait rêver tout le monde, alors que c'est pas le plus important dans la vie, l'argent. Le plus important, c'est le bonheur, les gars. C'est le bonheur. C'est ça le problème de Focus, en fait, c'est qu'il est trop matérialiste. Moi, je suis d'accord pour le salaire, mais comment ça? T'es quand même pas matérialiste à ce point, Focus. Pour me payer Internet. Non, mais toi, Nina, en vrai, tu fais trop de la peine. Hein. Tu me fais vraiment beaucoup de peine, ça m'attriste. Ok, on va continuer à planter des trucs au pif. Genre là, on peut pas planter là. Ok. Attends, je vais en mettre par là aussi. Ok, encore des plantes. Je vous jure, je pense vraiment... Les gars, vous allez voir combien je vais avoir de points au concours. Hein. Je vous promets que j'ai glitch le jeu, j'ai compris les ficelles du jeu. Là, je pense que j'ai une bonne note jardin déjà. Genre là, si je stoppe, je pense que le jeu il me dit déjà bravo, putain, beau jardin et tout, 10 sur 10. Palmier, c'est peut-être too much dans ce genre de jardin. C'est peut-être une mauvaise idée, les palmiers. Plantes. Moi là, je veux les plantes, tu sais, au sol, là. Herbe décorative, voilà, c'est ça que je veux. Ok, j'ai hâte de voir la désillusion. Moi j'ai hâte de voir ta déception quand tu vas te rendre compte que j'ai raison depuis le début et que je vais devenir multimillionnaire. Là je t'annonce, j'ai au minimum 3 étoiles et demie. Retiens bien hein, ce que je vais te dire. 3 étoiles et demie j'ai sur chaque truc. Et je prends au moins plus 25% du prix de mon bien avec ce que je suis en train de faire. Voilà ma théorie. Maintenant on va vite voir. Fait beaucoup, non? Ouais, ça fait beaucoup. Il faut juste que le jeu, il se dise, ouah, là, sa mère. Là, il a investi beaucoup de son temps dans cette création. C'est le but du jeu, ça. Ok. On peut continuer un petit peu. Pas des trucs à planter, c'est trop chiant. Ouais, voilà, ça, c'est très bien. Très bien, ça. Oh, putain, c'est massif de fou, c'est hyper beau. J'aime bien ça. J'aime vraiment bien. Ok. Attends, je vais prendre celle. Je vais varier les couleurs, prendre les autres et tout, changer un peu. Je vous jure, j'aimerais avoir un jardin avec tellement de fleurs. Un jardin où tu te perds dedans quand tu marches. Tellement il est blindé de beauté. Hop, maintenant lumière. Et ça suffit. Je vous jure, ça suffit. C'est déjà gagné. Hein. Ah merde. Éclairage. Je prends celle-là. Hop. Ah, j'ai pas planté le poirier. Faut que je m'en occupe. Parce que je pense que s'il est pas fini, peut-être que ça va me porter préjudice. Ok et ok. T'es une gaffe, mes chiens me suivent partout. Je sais pas pourquoi les chiens ils m'aiment comme ça. Ma soeur elle a un chien les gars. Je vous jure, il est tellement fan de moi. Quand il me voit il se pisse dessus tellement il est heureux et tout. Il me fait des gros bisous. Il m'aime trop. Il m'aime trop, genre il est fan de moi. Je pense qu'il sent que je suis un putain d'amour. Voilà ma théorie, c'est ça. Mais les animaux ils sentent quand t'es quelqu'un de bien. Moi il m'aime trop. Il vient, il me fait des énormes bisous.
Il pisse partout de joie et tout, il se roule par terre, il est trop heureux, genre. Peut-être ça, oui. Je jure, croyez-moi. Ok, regardez bien. Déjà, en vrai, mon jardin, il est joli. Simple, mais efficace. Là, ça manque un peu d'une grosse plante ou deux, je trouve. Oh, mais attends, on avait mis un étang et on avait cartonné avec ça. Attendez. C'était étang, je crois. Ça rentre là ou pas? Je suis kéblo. Ok, ça rentre pas. Je vais mettre de l'autre côté pour pas qu'ils se disent il y a la moitié qui est inutilisée. Il y avait un étang, j'avais oublié. Hop. Salut Deep, comment ça va poulet? Ok, je mets un étang là, en speed. En fait, dès qu'il y a le mouvement, tu peux arrêter ça, c'est pas mal à savoir. Je fais pareil quand je vois mon chien, tu lui pisses dessus, tu pisses partout et tout. C'est bizarre mon ref. Oh, j'ai la flemme les gars, franchement ce côté j'ai la flemme. Venez, on s'inscrit au concours, et si c'est une catastrophe, je fais l'autre côté. Mais normalement ça va être bien. Franchement, ma théorie c'est que c'est bien. Attention. J'avais dit quoi? Minimum 3,5 partout. Hop les 98, j'avais dit 25%, 37%, 5. Allez hop, allez ça part. Ça me suffit. Fermé, ça me suffit. Vendre aux enchères. Allez hop, ça part. Plus cher. Ok. 40 000 de bénéf, ça va. Attendez, on va négocier un peu. Hein. Hop là, les loulous. Un petit 8K. Cette fois, je grid pas cette fois. S'il te plaît. Ils disent trop de chambres. Trop de chambres. Il n'y en a qu'une seule. Elle fait 2 mètres carrés, fils de pute. Mais c'est pas grave. Ok, GG. 51 000 euros de bénéfices plus 26 000 euros de jardin. 80 000 euros de bénéfices. Acceptez l'offre. Boum! Non, là, c'est trop. Regardez ce que j'ai fait. C'est de toute beauté. Et là, on a une maison. On vient d'acheter une maison à 250 000. Sinon, j'aurais passé le million, les gars. Combien? Trop, les gars, beaucoup trop. On a 800 000 balles et on a acheté une maison à 260 000. On a le million, les gars. Je vends cette maison là et on est multimillionnaire. Enfin, multimillionnaire avec 1 million, c'est déjà bien. C'est déjà bien en vrai.